Ça se voit pas dans la descente, je pense que ça se voyait pas non plus, mais on va attaquer la méga montée, enfin une des méga montées, un genre de saloperie de 700 mètres mais avec des rampes à 24%. Donc on la voit de loin, il y a une muraille devant nous, tu vois un genre de rempart de roche qui s'élève droit devant toi, et puis bah faut monter tout droit dans le lard. Voilà. Arriva, arriva, arriva! Almost there! Putain! Ah, tout le monde comprend ça. Ah, ça race! Putain! Pour te donner une idée de l'allure, enfin pas de l'allure, mais de la difficulté pour le moment, je viens de passer le kilomètre 80. Donc là, j'ai 81 km 650, 4h30, 2145 de dénivelé. Ouais, ça va être une journée solide.
vent de face de ouf. Là, faux plat descendant, ça n'avance pas du tout. Eh bien, tu vois, je vais m'offrir une petite pause royale contre un muret à l'abri du vent. Ça couine un peu la transmission. Ah oui, celle-là. Ah oui, celle-là, elle monte à pied. On va pas se faire chier. Hein ? Ah, en plus, le sol est hyper moelleux. Ah, c'est agréable, je pourrais dormir ici, tiens. Ouf. Ah ouais, rien qu'en montant, déjà, c'est dur. En montant à pied. C'est quand même bien la marche à pied. Alors c'est pas fini, hein. Ça s'est fait en deux fois. Tu sais. Je pense que c'était la fin du monde. Et c'est marrant parce qu'il y a la colline et pile au sommet il y a un 4x4 qui est posé là. Alors je me demande ce qu'ils sont en train de glander. Putain, il n'y a rien. Mais rien, tu vois.
T'as pas une cabane, t'as pas une habitation, y a rien. Ouais, c'est le désert, quoi. C'est bien qu'ils aient appelé ça un désert, ça tombe bien, c'est raccord, c'est cool. Celle-là. Voilà. Voilà, histoire de choper la chiasse avant d'aller monter le truc là-bas. Très bien, ah bah. Eh hey. Ouais. Ça tu comprends, hein. Voilà. Alors je sais pas si vous voyez, mais là en fait, nous on descend depuis un moment et là il y a un truc en zigzag qui grimpe. Une grosse saloperie. Donc c'est là que l'on va. T'as doué. Ouais. Et si j'ai pu prendre le départ de la course, c'est grâce à Alejandro. Mais alors, retournez. Propriétaire du magasin Soulair Bike Studio à Grenade. Si je peux rouler aujourd'hui, c'est grâce à lui, parce que le vélo, c'est lui qui me l'a loué. Voilà. Bon, par contre, je garantis pas l'état dans lequel je vais le ramener, mais ouais. Voilà. Et vous notez qu'il roule sur un superbe Niner. Yeah. Alcon, et je suis pas mécontent parce que là j'ai la dalle, donc je vais foncer à l'hôtel et je vais manger et ça sera super. Et puis voilà, du mat, et ben ça repart. Hier je suis arrivé à l'hôtel vers 21h30, le temps de faire toutes les démarches, parce que c'était un petit peu à l'ancienne quand même. C'est un peu à l'ancienne comme hôtel. Il y avait un bidet dans la chambre, dans les toilettes quand même, un bidet, donc pour te dire à quel point c'était vintage. Et voilà, manger, doucher, reposer, puis réveiller à 3h. J'ai essayé de me rendormir un petit peu, et puis finalement ça voulait pas, donc voilà, habillage, mangeage, partage, et c'est reparti. Thank you.
Bon, il est 3h. Ça fait 2h que je suis réveillé. J'ai très mal dormi parce que voilà, le corps est surexcité avec l'effort maximal pour essayer de se débattre avec ce vélo. Donc je somnole, j'ai pas eu de sommeil profond, je pense. Et voilà, mais en tout cas, on va essayer de faire 200 km aujourd'hui et aller manger un truc à Almeria. Bon, là, on vient de se prendre une longue descente. Donc pour le démarrage, c'est cool. Puis ça fait des kilomètres gratos. Je me suis pris un oiseau dans le casque. Tu le crois, toi? Je me suis pris un oiseau. Il redécollait, je sais pas ce qu'il a glandé. Je l'ai vu super près, il s'est tapé dans le casque. Bah, ça fait drôle quand même. Désert de Tabernas. Là, on monte pendant 50 km. Ça monte pas beaucoup, hein. Là, il y a une petite rampe, mais c'est plutôt un long faux plat montant pour arriver à 1500 mètres. Donc c'est pas très élevé, mais ça va quand même nous prendre 50 km. Donc voilà, patience. Au loin, au fond. Alors on les voit pas là, à la caméra, moi je les vois. Mais dans le désert de Tabernas, il y a les plus grandes plantations de panneaux photovoltaïques. Et apparemment, c'est une des curiosités qu'on peut voir de l'espace. Je suis fait rattraper par un mec tout à l'heure quand j'étais au téléphone avec mes enfants. Parce que malgré tout, hier c'était la rentrée. Et mon petit garçon, hier c'était sa première journée d'école. Et ma grande fille, elle est rentrée au CP. Et pendant ce temps-là, papa, il a les fesses qui ressemblent à un steak haché. Une bonne chose de faite. C'est beau, hein. Gravel 27 étoiles. Oh ouais. Il m'a déjà doublé dans la côte. Là, il vient de me rattraper dans la descente. C'était arrêté au bled. On passe nos journées à ça de toute façon. C'est un long chassé-croisé à longueur de journée. Donc voilà, relax. Eh ben alors ça, je vais te dire, ça va pas être du luxe. Hop. Tu vois, donc je peux virer les lunettes de soleil, les lunettes de vue. Là, je peux coller les... Ah. Là, c'est de la piste blanche. Ça réfléchit... Tiens, regarde. Attends, je vais te montrer. Tu vois, là, ça commence à taper. Piste blanche.
Là, on va pas tarder, commencer à longer la côte, direction la plage. Et surtout, on a cette grande, grande piste qui s'offre à nous. Je suppose que tu as déjà fait cuire une pizza ou un truc comme ça dans un four. Et quand tu ouvres la porte du four pour vérifier si c'est cuit, tu te prends une bouffée de chaleur dans la gueule. Hein ? Tu vois la sensation ? Et ben là, c'est en permanence. Il y a 38, 39, 40. Là, on vient de passer le petit village, la petite ville, pardon, de San José. Sur cette piste, on va arriver à la plage de Genovese, la Playa Genovese. Donc voilà, tu vois, belle piste et tout, mais 38 degrés. On a beau dire, c'est carrément différent de la Beauce. Mais ça va, je gère, ça se passe bien. Ça, avant d'arriver à Almeria, ça fait plaisir, ça. Alors tu vois, quand il y a une église comme ça posée au milieu de nulle part, là, ça me fait penser à Kill Bill. Et instantanément, je me dis massacre à El Paso. Alors je t'assure, la trace passe ici. Hein. C'est complètement con. Non, c'est super drôle. Je me suis pris une petite tôle dans le sable. C'est bien parce que je suis tombé sur une rambarde en bois, sur la hanche. Fait toujours du bien. Bon, heureusement, ça dure pas longtemps. Ça dure 400 mètres, histoire de nous faire marrer. Mais c'est vrai que c'est drôle. Les petites fourberies comme ça, ça fait toujours plaisir. C'est plutôt rigolo. Puis ça change. On a rarement l'occasion d'emmener son vélo à la plage. Almeria! Ben, je suis pas mécontent, tu vois. C'était un peu long, là. En plus, j'ai roulé avec deux mecs qui roulaient comme des bourriques, sans raison apparente. Il y en a un qui est au bout du rouleau, qui arrête pas de faire des écarts. Donc, ouais. À un moment donné, il vaut mieux rouler seul. Il n'y a pas de soucis, monsieur.
Bon bah voilà, pizza à Almeria. Et puis j'en emmène une et demie parce que bah, je continue. Là j'ai 230. Et voilà, il m'en reste 200 pour arriver à l'arrivée. Donc je vais essayer d'y aller incognito. Voilà, tu vois, masqué. Tac. Ouais, bon là c'est la sortie de Almeria. Un peu musclée la sortie. Mais c'est bien, ça réchauffe. Eh ben tu vois, ça fait 15 bornes que ça dure et on a encore 35 km comme ça. How much cost? Mon commun ici, il a cassé les roulements de sa direction, donc ça bouge un peu, fais voir. Ah ouais. Ouais. Et toi, ça va? Ça va mal. Not good, not good. Nice. Bon, bah allez, hein. T'as de sa race. Bon, il est 23h30. J'ai fait 40 bornes depuis Almeria. On s'est tapé cette montée atroce dans les cailloux et après ça descendait. Là, on vient d'arriver. Je sais pas, tu vois un peu les lumières. Le village de Félix, 4 km avec un pourcentage pas possible. Et puis, arrivé dans le bled, ça continue à grimper. Donc bah exactement comme hier, là il faut que je fasse un petit reset, je vais essayer de dormir un peu, manger, et puis là par contre une courte pause, hein, vraiment pas longtemps, de toute façon on regarde le bordel. Là, je suis dans un champ, la terre est un peu molle, donc je vais réussir à me faufiler entre les mottes de terre et les olives, et puis voilà, tout simplement. Ah, je sais pas ce qu'on t'a vendu pour le bikepacking, mais tu vois, un champ, un bivy, de la pizza emballée de cet après-midi, des bananes, des saloperies diverses achetées en station-service, des bonbons, et voilà quoi. Mon petit oreiller, quand même, parce que bon, je vais pas dormir longtemps, mais autant essayer de bien dormir. Bien, bah 2h15. Ah non, 2h30, j'ai dormi un petit peu plus que prévu. Ça va? Le jour s'est enfin levé. La partie nocturne a été interminable de difficultés. De cailloux, de montée, une montée de 25 km. Une descente du même acabit, donc... dans les cailloux, donc entre celle d'hier, la grande montée bien caillouteuse, et ce matin c'était moins caillouteux, mais c'était quand même piégeux, il y avait des ornières, des trucs comme ça, donc il y avait moyen de pincer, de claquer un pneu, c'était quand même assez facile. Et puis là, bah, c'est une alternance de talus, de montées, de petites descentes, et voilà, j'ai seulement 89 km. Depuis 14 heures que j'ai pris la route hier à Almeria, j'ai 2500 de dénivelé sur 90 km. Et là, je pense qu'il m'en reste encore autant. Autant de kilomètres et autant de dénivelé. Donc je pensais finir ce matin, non. Et je suis fracassé. Ce vélo là, un vélo de location, entre guillemets bas de gamme, entrée de gamme, pas conçu pour ça et pas optimisé pour cet usage. C'est l'abattoir. Je sens plus mes poignets. J'ai mal aux chevilles. Où est-ce que j'ai mal les fesses? On n'en parle même pas. Depuis l'étude posturale, j'avais plus mal. Et là, je peux plus m'asseoir.
Et surtout, je peux plus me lever parce que quand je me lève, ça décolle le cuissard de la plaie. Et là, voilà. Donc, dur, quoi. Puis là, on est dans une partie où il y a des gros pourcentages. Donc, jusqu'à 7-8, ça va, j'arrive à l'emmener. Mais au-delà, il est trop lourd et puis le développement est trop court. J'arrive pas à... J'ai pas assez de force pour emmener ce braquet-là. C'est pour ça que j'avais prévu plus petit sur le mien. Mais voilà, donc là, ça va être un long chemin de croix jusqu'à l'arrivée. Et voilà, vivement ce soir. Il est 9h. Putain. Voilà, tiens, pour ceux qui aiment bien les débats avec Max, Clémence et Guillaume, je peux vous donner un indice sur le prochain débat. Là, quand tu vois l'état de mon cuissard, alors ne vous posez pas la question de ce que c'est, hein, c'est pas juste que j'ai été très très content de faire du vélo en Andalousie, c'est une explosion de gel dans la poche cargo. Voilà. Là, je suis posé dans un bled, on est 3-4 à être arrêté, c'est très joli. Derrière moi, j'ai... les commères du village. Hein, c'est très joli, c'est très très joli. La Belgique! Quelle montée! La Belgique! Quelle journée! On va au finish! À Mourtas, tout en haut. À Mourtas avec Nicolas. Yes, avec Richard. Bah ouais, parce que t'es de Anvers, donc tu peux te permettre de parler français quand même. Exactement. Le dernier stretch de Badlands, on est là depuis 3 jours, on a tout vécu, et là ça va être une longue soirée. Toi, ouais. Richard espérait arriver vers 19h, c'est-à-dire qu'il est déjà 16h, ouais. Je pense que ce sera plutôt 7h du matin. Non. Bon, une descente là, ça fait mais un bien fou. On va se manger une énorme descente. Là, on a galéré dans le village de Mursas pour trouver à boire. Tout est fermé. Il a fallu 10 minutes pour que quelqu'un se pointe à sa porte. Parce que les gens sont méfiants comme des loutres. Donc voilà. J'ai trouvé une fontaine, j'ai tout rempli. On va voir si c'est potable. Si je passe les 3 prochains jours aux toilettes, c'est qu'elle ne l'était pas. Ouais, bah ça a fait du bien, ça a pas duré longtemps. Et là, tu vois, c'est ici. Je dirais 18, entre 16 et 18%. Ça fatigue, hein ? Voilà, je viens de quitter la ville de Cadiar où j'ai mangé avec Nicolas. Et puis avec plein d'autres Belges, un Espagnol, Ressos. Moi je suis reparti parce que Nicolas attend d'autres amis belges et de toute façon ils vont me rattraper parce qu'ils ont des braquets adaptés, donc là tu vois je suis parti du bled et depuis le pied je marche parce que c'est trop pentu, tu vois, ça doit être là un bon 14-15%. Et tout simplement comme d'habitude je ne peux pas, donc voilà, là il reste 40 km, 2000 de dénivelé, 2000-2005. On peut dire que les choses sérieuses commencent vraiment. Regarde. Et là, tu vois, tu les vois peut-être pas, toi, parce que la caméra est vraiment loin. Et je vois déjà 2 gars dedans qui sont en train de marcher. Donc ça s'annonce bien raide encore, cette affaire. Ouais, j'ai tenté le démarrage. Au deuxième virage, à la sortie du deuxième virage. Wouh !
Et franchement, tu vois, je marche un petit peu, je hâte le pas. Eh ben, j'ai pas la vitesse. Mais entre se traîner à vélo, s'exploser les cuisses pour monter en force, ou en souplesse si t'as un mini braquet, ou monter vite à pied, je suis pas sûr, tu vois, en termes de vitesse et d'économie d'énergie. Ouais, tranquille. 3 km plus loin, la même. Et là, je suis passé à vélo. C'était un peu moins pentu, un peu moins long. Et j'oublie les vieux préceptes de l'ultra. Tu passes tranquille. Là, non. Là, maintenant, je donne tout. Tant que j'aurai pas explosé les pistons, j'y vais à fond. Enfin, à fond. Tu m'as compris. De toute façon, je pense que tu l'entends. Voilà. Voilà. Si tu veux faire Badlands dans des vraies conditions, faut être sale. Approche-toi, mon lapin. Ah, sur la joue. Ah. Et toi, ça va? You don't speak French, right? No. Yeah. Ça va? Salut, ça va? Venga, venga, venga. It's French. Ouais, là, 27, attends, on va dire 25 km de l'arrivée, là je sors l'artillerie lourde, les bananes, les Haribo, et pour les connaisseurs, dans les oreilles j'ai Gojira, là il peut rien m'arriver, la haine absolue. Je peux dire que ça, ça fait un moment que je l'attends. Le seul truc que je comprends pas, c'est la ligne droite. Donc ça fait un moment qu'il me dit il te reste 24 km, même quand il m'en restait 700. Je pense que je l'ai pas passé, j'ai pas passé la trace dans une appli, type Komoot ou autre. Je préfère Ride with GPS. Mais en tout cas, voilà, moi je suis ici la petite flèche et l'arrivée elle est là. Donc, attends, je vais enlever ça. Voilà, tu vois. Là, j'arrive. On va faire comme ça. Voilà ce qu'il me reste à faire. Quand t'as plus rien, voilà, il n'y a plus que ça à faire. 25 km de violence. J'arrive au sommet. C'est dingue, il n'y a pas une lumière. Il y a les étoiles. Je vois encore la silhouette des montagnes. Mais tout autour de moi, c'est les montagnes. Il n'y a pas une lumière, enfin si, il y a 3-4 lumières en bas, tu vois. Mais là, je suis seul. Ah. Alors, on avait un passage merdique. Comment tu t'appelles, Johan, c'est ça? Johan. Allô. Allô, Johan from Germany. Sweden. Sweden, it's the same to me, okay. Allez, allez, vive la France. Voilà, musique bizarre, viande trop cuite, ouais, c'est pareil. Putain, et ouais, éclaire un peu par là. Lights on, putain. Incroyable. Unbelievable. Putain de sa race, celle-là. Eh hey. Ah oh, putain! Ah. Ah. Ouais, ça va. Eh, c'est pas Koh-Lanta, hein? Ouais, bah, j'ai oublié de filmer l'arrivée, tu vois, parce qu'on a discuté un petit peu. Le photographe de l'épreuve, l'organisateur. On avait un petit historique tous les deux, donc il fallait qu'on discute un instant. Et voilà, là il est minuit. Je vais essayer de prendre le bus demain matin pour Grenade. Et voilà, et bon, il y a au moins un truc bien, c'est qu'il y a une école, l'école de Capiliala, qui nous est réservée, donc on peut se poser le vélo. Parce que, bah, évidemment, j'ai pas pris le temps de réserver un hôtel.
Je savais pas exactement à quelle heure j'allais arriver, parce que je ne savais pas du tout à quoi allait ressembler cette dernière portion de 40 km. Et il s'est avéré qu'elle était, je dirais pas facile, mais elle était... On en reparlera. C'était génial. Bon allez, tu vas pas me croire, hein, je suis cramé. Allez, bonne nuit.